Bonsoir, bonsoir à tous, salut Nostromo dans le chat, bonsoir, bienvenue pour le 15e épisode du 9-10, votre rendez-vous préféré de tous vos lundis, bien évidemment. Le rendez-vous traditionnel de la planète Hello, on va passer 1h30 à peu près, minimum, à voyager ensemble aux quatre coins de la planète. Et pour le coup, ce soir, on va vraiment voyager aux quatre coins de la planète Hello, puisque si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, vous avez déjà une idée du sommaire. Vous avez vu qu'on allait partir un peu en Afrique, un peu en Asie et un peu en Amérique du Sud. On va vraiment voyager. On va vous encourager, hein, bien évidemment, à nous suivre justement sur ces différents réseaux sociaux, à vous abonner aux différentes plateformes hein, sur lesquelles vous êtes en train de nous écouter, peut-être en direct, ce lundi soir. Je disais bonsoir à Nostromo, bonsoir à Romano qui est aussi dans le chat. Ou alors, si vous nous écoutez en replay sur les différentes plateformes. Voilà. On va pouvoir enchaîner sur cette émission, je le disais. On est parti pour une bonne 1h30 d'émission, au cours de laquelle on va donc parcourir cette planète. Et on va la parcourir avec quelqu'un qui fait son retour aujourd'hui à mes côtés pour co-animer cette émission. Le plus coréen, ça y est, ça commence. Putain, je dérape d'entrée, ça y est, c'est parti. Le plus coréen d'entre nous tous, monsieur Baptiste Mourigal. Salut Baptiste. Salut Nico, et un plaisir de revenir. Et pour l'occasion... le petit maillot de Séoul, voilà. Celui qui va bien, voilà. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Je chambre pas, je ne dis pas un maillot qui ne gagne plus rien ou des choses comme ça. Bah non, puisque sinon je chambre sur un autre maillot qui ne gagne plus rien. Qui gagnera plus rien d'ailleurs. Tout à fait. Okay. Bah voilà, donc bah, écoute, avec toi, on va justement... voir ce dont on va parler ce soir. Je vais te laisser nous dérouler le sommaire de l'émission. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va donc, comme l'habituel, les petites news de la semaine qui vont nous emmener aux quatre coins du monde. Ensuite, on ira en Amérique du Sud parler du Mundialito de El Porvenir. Alors, j'ai un accent espagnol qui est incroyable. Il est meilleur que mon accent coréen. Ouais, je crois que ça se joue. Voilà. Ensuite, on enchaînera avec Esteban Paredes. Hey, t'as vu, j'ai fait un effort. Bien. Le joueur de la semaine. Ensuite, on retraversera la planète pour aller du côté de l'Australie pour parler du maillot de la semaine qui nous intéressera avec celui du Brisbane Roar. Là aussi, j'ai un très bel accent. Et ensuite, on enchaînera avec les GolazoLO de la semaine, comme vous en avez l'habitude. Et on terminera avec les rendez-vous de la semaine, avec quelques matchs à suivre. Exactement, voilà, vous avez vu le sommaire, vous êtes confortablement installés. On va saluer Monsieur Yass, on va saluer Ibra, on va saluer Redjo aussi, qui fait sa première dans le chat. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous, tu arrives au meilleur des moments, puisqu'on va démarrer tout de suite. On va envoyer avec les news de la semaine. Et pour les news, on va démarrer en Afrique. Alors, je vais me substituer. Alors, je vais pas prendre l'accent, même si, bon, on vient de la même région, mais lui, il a un plus gros accent que moi. Je vais me substituer à PM pour faire un petit point sur l'Afrique. Hein, vous en avez l'habitude. On va faire... Et vous en avez peut-être l'habitude ou pas. Sinon, il faut que vous le sachiez maintenant. Tous les lundis, on fait un petit point sur la Super League béninoise. C'est notre petit bonbon. Et donc, justement, on va faire ce point-là avec les résultats du week-end. Je vais vous les montrer tout de suite. Vous les voyez. Voilà, vous les voyez, pardon, j'étais perturbé par les messages dans le chat, je vais y revenir après. Donc, les résultats de la semaine avec la victoire, ce qu'il faut regarder, la victoire importante de Coton face aux Cavaliers, avec notamment un but de Romaric Amoussou, dont il a été question un petit peu dans les émissions précédentes. Un garçon que vous connaissez peut-être si vous êtes des habitués de Lucarne Opposée, puisqu'il était dans les anciens papiers de Pierre-Marie à l'époque où il était... où il dirigeait une académie dans la région. Donc Romaric faisait partie des trois garçons avec qui il était. Donc on continue de suivre un petit peu son histoire, on suit son développement. Et Romaric Amoussou a marqué son 16e but en championnat, donc ça marche plutôt bien, on va dire, pour lui dans ce championnat béninois. Victoire donc de Coton 2-0, et une victoire qui est d'autant plus profitable à l'actuel leader, et je vais vous le montrer avec le classement dans un instant, que vous pouvez voir parmi les résultats, un duel entre le 3e et le 4e ASVO Lotto FC 0-0, et l'autre qui a raté l'occasion, c'est Buffle, qui a fait 0-0 aussi contre Éternel, et vous allez voir pourquoi ça a des conséquences, parce qu'au classement, Coton prend 9 points d'avance. On avait insisté avec PM il y a quelques semaines sur à quel point tout était resserré. Il a fallu 3 journées sur la phase retour pour que tout explose. Donc Coton prend 9 points d'avance sur son poursuivant direct Buffle. Voilà, vous voyez la belle affaire pour l'actuel leader de la Super League béninoise. On va en profiter, on parlait de football africain, on va faire cette petite page africaine. On va en profiter pour saluer aussi la 2e victoire en 3 ans de la RS Berkane en C3 africaine, club marocain. Cette fois-ci, c'était face aux Orlando Pirates. Oui, Berkane, Ibra. Berkane qui donc s'est imposé au tir au but, un but partout au cours du match, 5 tirs au but à 4. Je le disais, c'est sa 2e victoire en 3 ans, mais c'est aussi la 3e victoire consécutive pour le Maroc dans cette compétition. C'est la C3 africaine, hein, il y a la Ligue des Champions et il y a la Coupe de la Confédération. 3e victoire consécutive pour le Maroc, puisque le Raja s'était imposé l'année dernière. Et le Maroc, cette année, pourrait s'offrir un joli doublé, puisque, je parlais du Raja à l'instant, l'ennemi est juré, le Wydad est en finale de la Champions League face à Al-Ali. Et ça sera dimanche prochain, d'ailleurs, ça sera le 30. D'ailleurs, j'anticipe sur les rendez-vous, mais voilà, ça sera dimanche prochain, le 30. C'est dimanche? Non, c'est lundi le 30. Enfin, oui, bref, c'est lundi. Je crois que c'est le 30. Confirmez-moi dans le chat si vous savez, mais il me semble avoir vu que c'était le 30. La finale de la Ligue des Champions face à Al-Ali. Donc, il y a une possibilité pour le Maroc de faire, c'est lundi, merci Ibra, de faire le doublé cette année. Un petit peu moins amusant, un petit peu moins footballistique aussi. On en a parlé dans un précédent 9-10, ce fameux tournoi de l'UFOA-B de l'Afrique de l'Ouest. Faut pas que je me trompe dans les Est et Ouest, à chaque fois je me trompe. Bref, ce tournoi qui était organisé au Niger, on en avait parlé avec PM, puisqu'il y avait pas mal de petits scandales, notamment liés avec des affaires de triche à l'âge, puisqu'on en avait parlé, on avait fait un petit débat là-dessus. Eh bien, sachez que le Nigeria a remporté ce tournoi en finale face au Bénin. Je vous mets une photo des vainqueurs. Et ça a forcément laissé quelques traces, notamment au Bénin. Alors, les deux formations, les deux équipes, les deux finalistes ont été reçus en grande pompe hein, à leur retour dans leur pays respectif. Mais il y a quand même une polémique. On avait beaucoup parlé de Pérez-Lécoton qui soulevait quelques polémiques, et notamment ces affaires de trichalage en Afrique. Il en a levé donc une nouvelle. Je vous montre l'image. Avec ce Nigeria, vous voyez son post sur Facebook où justement il continue de penser que ces Nigérians là n'avaient pas tous moins de 20 ans. Hein. C'était un tournoi U20, image à l'appui. Bon voilà, on avait déjà évoqué avec PM à quel point il fallait se méfier de juste regarder les visages des joueurs pour essayer de leur donner un âge. PM, vous avez expliqué ça, je vous renvoie aussi sur les différentes émissions. Ouais, il y a plusieurs polémiques hein, qui ne cessent de s'enchaîner, Ibra, sur les triches à l'âge. On en a longuement parlé avec PM. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, dans un précédent 9-10. Je vous invite à aller réécouter ce passage-là. Sachez que bon, voilà, ce tournoi est entaché de nombreuses affaires de trichalage. Voilà, ça jette encore un voile un petit peu sombre sur le foot africain. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc les Nigérians, le Nigeria U20, s'est imposé face au Bénin, face aux écureuils béninois en finale. Voilà. Voilà à peu près pour la page africaine, hein. On a fait un peu vite parce que PM est beaucoup plus à même que moi. J'ai fait avec les quelques notes qu'il m'a envoyées, mais c'était important quand même de faire un petit point sur l'Afrique. On va faire en parler de triche à l'âge. On va continuer avec des affaires un peu moyennes, de triche potentielle. On va évoquer, vous l'avez peut-être suivi, notamment via Lucarne Opposée, on va aller en Amérique du Sud, on va évoquer cette affaire qui touche Byron Castillo. Alors, si vous n'êtes pas vraiment dans le truc, si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, Byron Castillo est un défenseur, j'allais dire équatorien, défenseur de la sélection équatorienne, parce que vous allez voir que tout est là. Cette fameuse affaire Byron Castillo, tout était parti, je vais rappeler rapidement le contexte parce que ceux qui ne savent pas pourraient être perdus. Byron Castillo avait été accusé par un journaliste colombien de ne pas être équatorien et d'être colombien justement. Ce journaliste, c'est toujours pas réglé Nostromo, et tu vas voir, justement on continue de suivre un petit peu cette affaire. Donc Byron Castillo est accusé d'être colombien, ça fait écho à une très très vieille affaire qui a été soi-disant réglée, enfin qui a été même réglée en Équateur. C'est une affaire qui remontait à 2018, non même pas Baptiste, et il n'est pas chinois. Et donc, il n'est pas encore parti jouer en Chine. Mais de toute façon, c'est trop tard, il ne peut plus. Mais donc, ça remontait à une affaire qui remontait à 2018, je disais, qui avait été jugée en 2021 par les juridictions équatoriennes. Il y avait déjà cette suspicion comme quoi Byron Castillo était colombien. Le jugement avait dit que Byron Castillo était équatorien. On pensait que l'affaire était réglée. Quand le journaliste colombien a déterré cette vieille affaire, il en a pris plein la tronche, parce qu'il déterrait un peu un vieux truc, voilà. Sauf que c'est devenu très sérieux. C'est devenu tellement sérieux que la fédération chilienne s'en est mêlée, puisqu'elle a mené soi-disant son enquête, elle aussi, de son côté. Elle a mis dans l'histoire ses avocats, et notamment ceux qui avaient fait perdre des points à la Bolivie pour la campagne 2018. Bref. Et la fédération chilienne, toujours les mêmes, Romain, la fédération chilienne a saisi la FIFA. L'affaire n'est vraiment pas terminée puisque la FIFA a donné jusqu'au 5 juin à la fédération équatorienne pour fournir les preuves de la nationalité de Byron Castillo. Je rappelle l'enjeu de cette histoire. L'enjeu de cette histoire, c'est que tous les matchs auxquels Byron Castillo a participé durant les éliminatoires devraient, s'il n'est pas équatorien, seront donnés perdus à l'Équateur. La conséquence, elle est simple, ça fait perdre 14 points à l'Équateur, qui ne sera plus qualifié. Et le seul pays qui en bénéficie, le seul grand gagnant dans cette histoire, c'est le Chili, qui gratte 5 points. Pérou et Colombie ne grattent pas de points, puisque Byron Castillo n'a pas joué contre eux. Et donc, ça voudrait dire que le Chili serait qualifié pour le Mondial au Qatar, avec tout ce que ça signifie aussi, parce qu'on va rappeler que Chili et Équateur ne sont pas censés être dans le même chapeau au moment des tirages, si ça avait été l'un ou l'autre. Donc je vous laisse imaginer le gros, voilà, tu l'as dit, je vais utiliser ton mot, Ibra, le gros bordel que ça va entraîner au sein des instances. Réponse possible le 5 juin. Le fait est que cette histoire, elle peut faire sourire, hein. De loin, comme ça, on se dit, ah, c'est bon, les Chiliens tentent tout, sauf que cette histoire commence à peser très très fort sur les épaules du joueur. Et on a vu ce week-end Byron Castillo qui a concédé notamment un penalty avec son club. Il joue à Barcelona en Équateur. On a vu Byron Castillo en larmes sur le terrain et finir par complètement craquer physiquement en demandant à son entraîneur « Sors-moi du terrain, sors-moi ». Voilà. Donc le garçon est en train de vraiment craquer psychologiquement. Son coach Jorge Celico est en train d'essayer de le défendre. On voit les répercussions, on voit aussi la tornade médiatique dans laquelle le joueur est embarqué, alors que franchement, il n'y est pour rien et que l'affaire avait été résolue. Donc toujours aussi quand même important de rappeler les conséquences parfois psychologiques sur les cabales qui sont menées, qu'elles soient médiatiques ou pas, qu'elles soient orchestrées par des médias ou pas. Mais voilà, les conséquences sur Byron Castillo sont telles que le joueur en ce moment est vraiment pas bien du tout psychologiquement. Et donc voilà, on va suivre sur le plan sportif ce que cela va donner. Je le disais, d'ici le 5 juin pour la fédération équatorienne, mais il va falloir aussi s'intéresser un petit peu quand même aux joueurs qui est en train de subir violemment. Voilà, ça c'est pour la partie Amérique du Sud. On a été en Afrique. Bon, on va quitter les continents qui sont corrompus, hein, pour aller dans un continent. Pour chercher des continents propres, il y en a. Voilà, un continent très propre qui est celui de l'Asie, donc un continent tout à fait transparent. Je tiens à le préciser. Et on va commencer avec Antoine, que l'on va accueillir, notre spécialiste Australie, qui malheureusement est en Asie contre ma volonté. Et on va parler du All-Star Game de la MLS asiatique, donc de la A-League. Salut Antoine. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, oui, ça va. Donc oui, donc on t'écoute sur le All-Star Game qui arrive en Australie. C'est ça. Alors d'abord, c'est un vieux concept qui existe depuis plusieurs années en Australie. Il a été créé en 2013 et en 2014 et il est revenu cette année. Il y avait eu en 2013-2014 donc un match contre Manchester United et en 2014 contre la Juventus. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu d'éclat puisqu'il y a eu Manchester avait séché 5 buts à 1, la A-League All-Stars et la Juve avait gagné 3-2. Et cette année, donc du coup, ils ont voulu, on va dire, réouvrir ce côté All-Star Game. Et c'est donc le FC Barcelone qui va venir, qui se déplace en Australie. Donc ils sont actuellement en transit. Ils ont choisi un adversaire un peu plus à leur portée, c'est ça que tu veux dire? Non, alors là, j'y viendrai pas juger ce que je ne vois pas, mais en tout cas, ils vont venir donc jouer contre un groupe de 30 joueurs. Ce sera mercredi 25 mai à midi 05 précisément. Enfin, les heures australiennes sont toujours un petit peu décalées. Et ce sera donc à l'Accor Stadium de Sydney. Et il y aura en même temps tout un côté, il y a le spectacle des Lumières à Sydney, donc ça va faire partie d'un tout. Et c'est surtout qu'en fait, le A-League All-Star, il va servir autant au FC Barcelone qu'au football national. Parce que venir jouer un match comme celui-ci, c'est s'assurer, on va dire, au moins 50, voire plus, milliers de spectateurs, puisque contre Manchester United, il y avait eu 83 000 spectateurs. Et toujours à Sydney contre la Juve, il y a eu 55 000 spectateurs. Du côté des avantages, donc je disais d'un côté pour le Barça et pour l'Australie, le vice-président donc, du secteur marketing du FC Barcelone disait que sur leur site officiel qu'ils veulent capter de nouvelles audiences qui vont découvrir ou redécouvrir ce qu'est le FC Barcelone, tout ce qu'il représente, car c'est devenu une référence sur le terrain et en dehors. Donc on sait que le FC Barcelone est passé par, encore aujourd'hui par des soucis économique, donc je pense que voilà, ils vont chercher de l'argent où ils peuvent en trouver, et en tout cas l'Australie, c'est un marché qui grandit de jour en jour, puisque comme on l'avait écrit sur le Lucarne Opposée, les plus jeunes jouent majoritairement à ce sport-là, qui était le sport détesté par les plus anciens. Et à l'inverse, c'est aussi un atout énorme pour le football en Australie, puisqu'il y a Stuart ARS ou AR, enfin je ne sais pas trop comment on le prononce, je suis un peu comme Baptiste là-dessus, qui est le ministre du tourisme et des sports au Western Sydney, donc il y a la partie de l'ouest de Sydney, qui dit que voilà, le fait d'accueillir un grand nom du football permettra de montrer toutes les attractions et les événements de classe mondiale dont dispose la ville et de créer un boom dans l'économie de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Et on a aussi eu dans cet aspect-là, il y a eu, alors je pense pas que ce soit, je sais pas si dans les informations il y en a eu en France, mais il y a eu des très grosses inondations dans cet état-là, dans le nord de l'état, et il y a beaucoup eu de clubs qui ont été touchés sur ces inondations. Enfin, il y a des terrains qui ont été complètement ravagés, on a vu des pelouses synthétiques complètement retournées, et ils vont se servir aussi de ce match prestige là pour que les gens donnent et puissent rembourser un peu pour que le football local puisse vivre. Mais on est quand même d'accord que sur le principe, tu vois, c'est plus l'Australie et son football qui a gagné que le Barça dans cette histoire. Oui, parce que franchement, non, mais je suis même pas convaincu qu'économiquement le Barça s'y retrouve dans cette histoire. Non, parce qu'ils viennent que pour une journée. C'est ça. Pas comme une. Enfin, on voit par exemple quand les Anglais viennent, que ce soit pour autre chose, ils restent plusieurs jours. Ouais, et puis c'est dans le cadre de leur tournée. Là, ils viennent. Là, le Barça vient une fois. C'est vraiment. Ils vont vendre quelques maillots, ils vont peut-être signer quelques contrats. Donc, voilà. Après, je sais que par exemple, c'est le Accor Hotel, donc Hall, là, le même sponsor maillot que le Paris Saint-Germain qui va sponsoriser les maillots du All-Star Game, donc, pour l'Australie, j'entends. Donc voilà, ça va sûrement s'échanger des mallettes ou des choses comme ça. Mais non, oui, bien sûr, sur une échelle, oui, bien, forcément, l'Australie va beaucoup plus en profiter que le FC Barcelone. Enfin, le FC Barcelone n'a pas forcément besoin de ça, mais c'est surtout que voilà, le FC Barcelone veut se mettre partout et ne veut louper aucun... ne rater aucun marché potentiel. S'il y a moyen de gratter quelques sous ici pour juste envoyer son équipe, les gens seront contents. Donc, ils l'ont fait en Corée du Sud il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand, où ils sont venus jouer contre une équipe de All-Star. La Juventus l'a fait aussi avant le Covid. Là, cette année, c'est Tottenham qui va venir le faire. Donc les clubs européens viennent chercher... Après, c'est organisé par des espèces, alors je sais pas comment on appelle, des promoteurs, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, un peu comme dans la boxe, et ils doivent récupérer sans doute une grosse partie des recettes, ils doivent récupérer une partie des recettes publicitaires, des billets, tout un tas de choses, ce qui fait qu'ils vont quand même gagner un petit peu d'argent, et puis ils vont essayer comme dit Antoine, de gratter des petits contrats par-ci par-là pour toucher plus d'argent. Et surtout que le stade là, c'est le nouveau stade rénové, tout ça. Donc voilà, c'est le nouveau stade, le hall de Sydney. Donc ils sont sponsors. Donc voilà, comme dit Baptiste, ils vont sûrement prendre un pourcentage sur tous les billets vendus, etc. Donc du coup, on voit, pardon, je te coupe 2 secondes, c'est parce que j'ai affiché le 11 des All-Stars de A-League. On rappelle que ce match-là tombe mercredi prochain. Non, 25 mai, t'as dit? Attends, je vais te dire. Voilà, le 25 mai. Donc ce mercredi, donc juste avant la finale de A-League, les gars de City vont être contents. Oui, mais non, parce qu'ils ne joueront pas. Et oui. Sauf qu'ils sont annoncés dans le All-Star. Non, c'est en fait ce 11 de All-Star là. En gros, il y a 30 joueurs qui ont été sélectionnés. Donc il y a 13 joueurs qui ont été sélectionnés par les fans, dont le 11 que Nicolas est en train de montrer. C'est-à-dire que les fans ont eu le droit de vote sur 11 personnes. Et donc, du coup, ils ont affiché le 11 et 2 remplaçants. Donc, c'était Léo Lacroix et j'ai plus le nom de l'autre joueur. Et ensuite, il y a eu 15 joueurs qui ont été désignés par Dwight York, qui va être l'entraîneur de cette micro-équipe one-shot, avant d'être devenir officiellement l'entraîneur des MacArthur FC, qui a été épaulé avec des assistants en Australie. Et il y a 2 joueurs qui ont été sélectionnés par Greg O'Rourke, qui est le patron des ligues. Et du coup, il a pris 2 jeunes pour encourager tout ce qui va être formation dans les clubs et de se dire, regardez, nous, on a aussi des pépites qui peuvent s'exporter. Et j'ai choisi ces 2 joueurs. Mais le 11 qui a été marqué, c'est le 11... Le 11 voté par le public. Voilà, c'est un 11 qui va clairement montrer comment se prendre 6 buts à 0. Après, on ne sait pas trop non plus ce que le Barça va aligner en face. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir aussi par rapport à cela, c'est que vous voyez, donc il y a un 11 qui a été élu par les fans. La moitié des joueurs ne pourra pas jouer puisqu'ils ont finale de A-League. C'est ça. Ils sont élus parce qu'ils sont quand même obligés d'être dans le All-Star, forcément, parce que finale. Mais ils sont, en fait, ils vont être bouche-trou, quoi. Ils vont avoir les équipements, mais ils ne rentreront pas en jeu. Ouais, c'est comme la NBA, quoi. On fait venir des mecs, ils ont l'appellation et puis ils ne jouent pas. Tu vois, c'est en termes d'engagement, tu demandes à tes fans de d'élire un 11 et puis en fait, tu t'aperçois que la moitié ne peut pas jouer parce que forcément, ils ne peuvent pas jouer. Ils ont une finale de championnat à jouer dans 3 jours. Donc, t'imagines Jamie McLaren qui entre à 20 minutes de la fin, qui se pète la jambe. Et pour la petite anecdote, il y aurait peut-être un groupe qui se serait marré en sélectionnant Adama Traoré, donc le défenseur de Melbourne Victory, juste pour avoir un duel Adama Traoré de Melbourne vs... Adama Traoré du FC Barcelone. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est possible. Les gens sont joueurs. Donc moi, ça me fait rigoler. Oui. Et sinon, je vais en profiter avant de clore la partie A-League. Il y a Spinoza dans le chat qui nous demande si on sent la montée en puissance du foot australien sur la sélection. C'est un autre débat. Pour répondre rapidement, Antoine, on peut dire non. Non, l'année prochaine, dans 4 ans. Sois pas si optimiste que ça. Dans 4 ans. Dans 4 ans, ouais, bon. Après, les Australiens commencent à mieux s'exporter. Faut quand même Oui, on en a un au FC Séoul, il est sur le banc. Oui. Là, les Australiens sont en train de savoir si les joueurs vont à Rennes ou à Reims. Parce que dans la prononciation, c'est un sacré bordel. C'est un vrai problème dans plein de pays. On m'a dit c'est Rennes, mais Rennes, c'est Rennes et Reims. Non, ouais, mais ils disent Reims ou Reims, et c'est très compliqué. Mais c'est dans beaucoup de pays le problème. Voilà, donc voilà pour le All-Star, c'est dans 2 jours. Voilà, si vous avez l'occasion de jeter un œil. Est-ce que, ça sera ma dernière question, Antoine, est-ce que les chaînes vont le diffuser gratuitement sur YouTube? Il sera sur YouTube, oui, probablement. Sur YouTube, Donc voilà, les canaux officiels, hein, on ne vous donne pas des trucs obscurs. Vraiment, là, ce sont les canaux officiels du football australien. Donc soit MyFootball, soit Keep Up, j'imagine. Oui, voilà. Ça va sûrement être sur Keep Up plutôt. Sûrement sur MyFootball, c'est que la coupe, ouais. Ok, bah on verra bien. Donc à surveiller, on vous tiendra au courant. Suivez aussi Antoine. Wow. Regardez-le, moi je regarderai pas. Donc. Voilà, j'allais survendre le truc en disant Antoine va vous assurer un suivi de ouf de ce match. Bref, on est plus préoccupé par ce qui arrive ce week-end que par le All-Star pour tout dire. Mais voilà, c'était pour aussi souligner à quel point voilà, il est placé bizarrement. Mais voilà, on continue d'entretenir cette réception de clubs européens qui viennent chercher des nouveaux marchés. Oui. J'ai un peu l'impression que ça fait 10 ans qu'on entend dire l'Australie est un nouveau marché pour les clubs européens. Bah, l'Asie de manière générale. Alors l'Asie, je sais pas, je maîtrise pas, mais l'Australie, quand je vois le nombre de... Tu vois le lapsus, il maîtrise pas l'Asie, donc il a rien à faire. Non, mais quand on a eu le problème. Non, mais il y a beaucoup, de plus en plus de scouts en fait, par exemple français, tout ça qui viennent en Australie. Je pense qu'il y a, puis il y a Monsieur Faïd Ben Kalfala qui a un bon rôle d'intermédiaire, qui a encore joué ce week-end là-dessus. Donc je pense que ça s'exporte bien parce que ça coûte pas cher et c'est pas bon, donc c'est nickel. Non, si, c'est bon. Non, il y a de vraies bonnes affaires à faire. Ouais, il y a des vraies bonnes affaires. Quand t'as pas d'argent, tu te dis, bon, bah, je vais prendre un joueur. Surtout qu'en plus, ils ont tous quasiment un double passeport européen. Donc, il te coûte pas cher, il te prend pas de place extra-communautaire. Ah, donc, on comprend mieux. Là, par exemple, Reims, ils vont peut-être prendre, j'ai vite fait parler avec 2-3 personnes, Reims, ils vont sortir 65 000 € max pour 2 joueurs. Qu'est-ce que c'est pour eux? Qu'est-ce que c'est pour eux? Ah bah c'est sûr que là le risque il n'est pas élevé, en plus 2 bons joueurs, donc voilà. Un sur l'autre. Voilà, un sur tout. L'autre, je suis honnête, hein, j'ai vu peut-être un match de lui, je crois qu'il n'a même pas fait 10 matchs. Donc, ouais, c'est ça. L'autre, on va être plus prudent. Honnête, hein. Moi, oui, ça je sais. Bon ben voilà. Voilà pour la partie australienne. On reviendra en Australie un petit peu tout à l'heure. On va rester en Asie avec toi, Baptiste, avec plusieurs petites news. Et justement, j'ai vu passer un message tout à l'heure de Nostromo. Il va en être question dans un instant. Plusieurs petites news asiatiques, hein, Baptiste. Tout à fait. Alors on va en faire 4 petites. D'abord, comme le disait, alors j'ai plus le pseudo. Nostromo dans le chat, effectivement, la Chine qui a annoncé donc la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus exactement, son désengagement de l'organisation donc de la Coupe d'Asie 2023 qui devait avoir lieu l'été prochain et voilà, à cause du retour des cas de Covid dans le pays, la Chine a décidé de ne pas organiser la compétition parce qu'ils souhaitent avoir une politique de 0 Covid, donc une politique que l'on connaît déjà inefficace et impossible à mettre en place, à moins de mettre, je ne sais pas, des tentes sur tout le pays pour pas que le Covid y rentre. C'est pratiquement apparemment, ils ont eu un prix sur les barrières dans les rues. Ouais, ça doit être ça. Mais, voilà, donc ils ont décidé de ne pas organiser la Coupe d'Asie qui va être donc reportée soit dans un autre pays à la même date, et on parle du Qatar, mais si c'est le Qatar, on la décale à janvier 2024 parce qu'on ne peut pas jouer au Qatar en été. On la remettrait en janvier, ce qui est son mois habituel, puisqu'en général, la Coupe d'Asie se joue tout de suite l'année d'après de la Coupe du Monde, mais en janvier. Cette année, ayant la Coupe du Monde en décembre, on ne peut pas jouer en janvier, sinon on va tuer des joueurs. Donc voilà, il y a des tractations, on n'a encore rien d'officiel, mais le Qatar semble tenir la corde, ce qui ne serait pas surprenant puisque le Qatar a organisé la dernière édition. Mais ça serait peut-être intéressant de rester du côté soit de la Chine, en essayant de décaler peut-être un an après, ou d'aller au Japon, d'aller en Corée du Sud, même d'aller en Thaïlande ou en Indonésie ou au Vietnam où il y a un énorme engouement, plutôt que de retourner au Qatar et de refaire une édition là-bas. Et on ne va pas rappeler que ton petit cheval de bataille habituel, hein, que la Confédération est dirigée par le Moyen-Orient. et que c'est le Moyen-Orient qui décide de tout, il faut dire les choses. Si c'est pas au Qatar, ça sera aux Émirats, hein, c'est pas compliqué. Bah, il suffit de voir les dernières décisions et ça. Ce qui arrive après, pour, question sérieuse, et tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'écrit Nostromo. Est-ce que dans un délai aussi court, un pays d'Asie de l'Est, par exemple, Nostromo parle de la Corée, parle de faire un duo avec le Japon ou pareil chose, des choses comme ça, est-ce que ces pays-là peuvent, en un délai si court, on voit que c'est pas tout à fait simple non plus encore la gestion de la Covid au Japon, est-ce qu'ils pourraient se dire, bah écoutez, nous on va récupérer l'Asian Cup chinoise? Alors, est-ce que c'est possible? Le Japon, je pense, ne se positionnera même pas, puisqu'aujourd'hui, ils ont encore beaucoup de mal à ouvrir leur pays à cause du Covid. Ça, c'est des décisions politiques. La Corée du Sud, je pense, serait en mesure de le faire. Ils ont les stades, ils ont les installations. Ça date de 2002. C'est pas très vieux. Aujourd'hui, il y a des nouveaux stades qui se créent. On voit celui de Daegu, qui est un très bon stade de foot. Alors, certes, petit, mais l'ambiance y est incroyable. C'est suffisant pour un pays comme ça. Il y a toujours les stades de la Coupe du Monde. Le pays se rouvre progressivement. Ils ont accueilli l'année dernière les matchs de l'AFC Champions League à Jeonju. Donc, on voit que la Corée du Sud pourrait être en mesure de le faire. Les pays comme la Thaïlande pourraient potentiellement le faire aussi, puisqu'on voit qu'ils accueillent des groupes de la Champions League également. Après, certes, c'est à huis clos. Donc, voilà, on a quand même un an, parce qu'on ne jouera pas en été non plus, je pense. Je pense que c'est inimaginable de jouer à l'été 2023, cette compétition. Je pense qu'elle partira en 2024, mais ça va encore, on en reviendra juste après, mais ça va encore décaler des calendriers. Mais oui, on a des pays qui sont en mesure de l'accueillir en Asie de l'Est. Ouais, bah et on suivra ça. On est un peu triste parce que vous le savez peut-être, hein, si vous nous suivez, on avait prévu nous d'y aller en Chine en 2023. Voilà, super. Après, je reviens aussi à un truc que je n'y ai pas pensé. Il faut aussi dire que potentiellement en janvier 2024, jouer en Corée du Sud, au Japon en janvier, on oublie. Bah, oui. Il fait beaucoup trop froid, les terrains sont trop durs. Ça serait une misère. Donc, en fait, il faudrait vous. Non, l'Australie, merci, ça ira. Oui, mais justement, tu parles, Antoine, justement. L'Australie, elle pourrait se positionner. Est-ce qu'on en parle en Australie de tout ça? Alors, on n'en parle pas, puisque en fait, le problème de l'Australie, c'est si on n'a pas cette double vaccination, on n'entre pas dans le pays. Bah ouais, parce que eux, les règles. Parce que d'ailleurs, il y a des joueurs du Barça. Il y a un joueur du Barça. Alors, je pense que c'est Ricky Puig. Et je crois qu'il a passé 2 doses. Du coup, il est resté à la maison. Et en plus de ça, le vol Barça-Sydney, je crois que c'est le premier vol européen long courrier. Enfin bref, il y a tout un truc. Et ils ont reparlé de la coupe. Et en fait, ouais, ça tomberait plutôt pas mal. Mais je pense qu'ils n'ont pas trop envie. Ils sont à fond, en fait, sur la Coupe du Monde féminine. Oui, c'est vrai. Et je pense ils ont d'ailleurs plus de chances de faire une bonne prestation que dans la Coupe d'Asie. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, oui. Voilà. Parce que les femmes australiennes sont meilleures oui, largement. Bah, d'ailleurs, sur la scène internationale, on parle, pas en termes de niveau de jeu à comparer, mais non, bien sûr. Et, bon, même s'ils ont perdu la dernière Coupe d'Asie, voilà, elles sont meilleures, donc elles ont un meilleur positionnement. Après, je pense que ça ne sera même pas demandé au pays qui veut l'organiser. Ouais, ça va gérer dans les instances qui, je ne sais pas comment c'est géré, et ça ira de toute façon au Qatar. Ça va finir au Qatar, ouais. De toute façon, ça a été les premières rumeurs. On nous avait annoncé, Qatar janvier 2024. À mon avis, on ne sera pas très loin de ça. Donc voilà. Regardez bien le logo qui est affiché, hein, c'est une archive maintenant. Parce que... Et on pense à tous ces stades qui se sont construits. C'est exactement ce que j'allais dire, on pense à tous ces stades qui sont même encore en train de se construire, dont les chantiers vont probablement être arrêtés au bout d'un moment. Certains ont déjà été arrêtés, on pense notamment avec la folie pure de Evergrande, où c'est pas très clair, hein, cette histoire, est-ce que le chantier a été arrêté ou pas? On a entendu tout et son contraire avec l'effondrement du groupe Evergrande. Bon, voilà. On pense aussi au développement du football chinois qui continue d'en prendre une couche. Pas convaincus qu'ils tiennent leur projet jusqu'à 2050 à ce rythme-là, hein, vu à la vitesse à laquelle ils sont en train de tout saccager rapido. Voilà, c'est un peu triste aussi pour tout ça. Mais bon, c'est ainsi. Après, est-ce que le Covid n'est pas la raison pour tirer un trait sur ce qu'ils ont eu comme, on va dire, folie des grandeurs au niveau du foot? Ils avaient commencé avant, hein. Ils avaient commencé avant à appuyer très fort sur les freins quand même. Hein. Oui, et bien justement, est-ce que c'est pas dans la continuité? On dit c'est le Covid et puis on se débarrasse de ce qu'on ne veut plus et la Chine disparaîtra complètement du pas. du paysage footballistique asiatique. Moi, je pense qu'on se dirige vers ça. Aujourd'hui, la Chine, ça attire plus les stars, ça n'attire que les joueurs coréens qui veulent gagner de l'argent. C'est, voilà, il faut dire ce qu'il en est. Les meilleurs joueurs qui y vont, c'est les joueurs coréens aujourd'hui. Ouais. Voilà, je me fais beaucoup de soucis sur la Chine et sur le programme qu'ils avaient lancé. Et je pense que le fait de se désengager de l'Asian Cup, la Coupe d'Asie, ça met le dernier petit coup de chausson derrière la tête, quoi. On est bien d'accord. Voilà pour l'Asian Cup. On va rester encore une fois en Chine avec un nouveau report, puisque celui-ci, c'est celui des Asian Games qui devait se dérouler en septembre 2022 à Hangzhou en Chine. Donc, même schéma que la Coupe d'Asie, les cas de Covid, on reporte les Asian Games. Alors, vous me direz, pas d'importance, ce sont des Asian Games, ça n'a pas le même impact que les Jeux Olympiques, mais pas pour tout le monde. Et essentiellement pour les Coréens, puisque les Coréens, s'ils gagnent la compétition de foot et même toutes les autres compétitions, notamment surtout chez les hommes, des Asian Games et gagnent la médaille d'or, ils sont exemptés de service militaire. Donc, cette news-là a fait la une, on va dire, entre guillemets, des médias sud-coréens, parce que cette année, pas d'Asian Games, pas d'équipe qui peut aller gagner une médaille d'or, donc pas d'exemption de service militaire. Donc, les questions qui se posent, c'est: est-ce que les Asian Games vont bien se dérouler cette année? Je pense que non, parce qu'aujourd'hui, on n'a personne pour les accueillir. Et est-ce que s'ils sont reportés à l'année prochaine, on va faire comme les Jeux de Tokyo, on va quand même accepter les joueurs de moins de 23 ans de 2022 pour faire jouer en 2023? Parce qu'on a quand même une génération qui arrive, et c'est celle qui, j'en reviens juste derrière, qui va aller participer à l'Asian Cup des moins de 23 ans, qui cherche à avoir cette exemption de service militaire pour ensuite peut-être partir vers l'Europe. Et on sait très bien que cette exemption est pratiquement indispensable pour ensuite évoluer en Europe. Le dernier exemple, c'est Kwang Chang-hoon. Il n'a pas eu d'exemption, il est revenu très tôt de son passage européen. Là, on en a un qui est parti on en a deux qui sont partis en Europe, donc à Schalke, Lidong-Yang et au Hertha Berlin avec Lidong-Jun, qui, eux, espéraient pouvoir disputer ces Asian Games pour avoir cette exemption de service militaire et pouvoir rester en Allemagne. Aujourd'hui, en reportant ça, on met un petit peu leur parcours européen, entre guillemets. Donc, c'est une affaire qui est à suivre, surtout en Corée du Sud. Après, si les Asian Games ne se font pas, je pense qu'il n'y a que la Corée du Sud qui va pleurer. Voilà. Donc... Ouais, mais tu l'as dit, hein, les conséquences ne sont pas anecdotiques pour ces joueurs de cette génération-là, pour leur carrière, tout simplement. Exactement. Donc, c'est vraiment une news qu'a fait les gros titres en Corée du Sud et qui interroge beaucoup de joueurs qui sont en train de réfléchir, parce que sinon, il faut attendre 2024 et il faut pouvoir se qualifier pour 2024. Et en plus, en 2024, avant d'aller gagner une médaille aux Jeux Olympiques, il y a du chemin. Ok. Voilà. Vas-y, je te laisse enchaîner. Et on va rester aussi donc dans la coupe en Asie, avec la Coupe d'Asie des moins de 23 ans qui démarre la semaine prochaine, le 1er juin. Donc, c'est une édition qui devait se tenir initialement en début d'année en Ouzbékistan. Le Covid, encore et toujours, a décalé, mais se tiendra tout de même en Ouzbékistan le mois prochain. Voilà, une compétition qui n'a pas trop d'enjeux, parce qu'on sait que la Coupe d'Asie des moins de 23 ans sert essentiellement à se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment ce qui motive les équipes. Et une édition sur deux, en général, on n'envoie pas forcément les meilleurs joueurs, même si là, la Corée du Sud a quand même envoyé une grosse équipe. Je n'ai pas regardé les autres équipes aujourd'hui, mais voilà, on attend surtout celle de 2024. Celle de 2024 qui devrait se jouer en janvier 2024, soit peut-être en même temps que la Coupe d'Asie 2024. Donc, il y a un sacré boxon en Asie. On verra bien comment tout ça va se goupiller, mais voilà, si vous voulez regarder du foot, vous en avez chez les moins de 23 ans avec des joueurs à suivre. D'ailleurs, il y a Lee Kang-in de Majorque qui va aller disputer cette compétition avec la Corée du Sud, donc ça peut être intéressant. Voilà, ça commence la semaine prochaine et ça dure pendant tout le mois de juin pour se finir en début juillet. Et enfin, on va finir avec les Jeux d'Asie du Sud-Est, où on va donner les résultats, puisque ça s'est terminé cette nuit, je crois. Enfin, les Jeux se sont terminés cette nuit. Le tournoi de football s'est terminé hier avec la victoire du Vietnam à domicile dans le tournoi de football, une victoire sur la Thaïlande. 1-0 et une équipe entraînée par un Coréen, Park Hang-seo, qui décroche son premier titre avec le Vietnam, devant donc la Thaïlande. Et l'Indonésie, entraînée par Shin Tae-yong, ancien sélectionneur de la Corée du Sud, termine 3e après avoir battu la Malaisie au tir au but. Voilà, donc le Vietnam s'impose un petit peu comme la nouvelle tendance du football en Asie du Sud-Est, surpassant la Thaïlande. C'est un peu dommage parce qu'on misait beaucoup il y a quelques années sur la Thaïlande. Et progressivement, c'est le Vietnam qui vient un peu prendre cette suprématie dans cette région-là, avec l'Indonésie qui n'est pas très loin, qui a quand même pas mal de choses à faire, avec une fédération qui commence un peu plus à structurer, à avoir quand même Shin Tae-yong. Alors certes, ce n'est pas un énorme coach, mais c'est quelqu'un qui a quand même en Asie une très grosse renommée parce qu'il a gagné pas mal de choses. Donc ça commence à prendre aussi en Indonésie, et on sait qu'il y a énormément de choses à faire dans ces pays-là en termes de football, notamment par l'engouement et par le nombre de joueurs qui peuvent aller jouer au foot. Voilà. L'engouement Vietnam, si vous... Faites un tour sur YouTube, allez voir à quel point les matchs de ces joueurs-là ont été suivis. C'était du 900 000 en direct. Hein. C'était un truc de fou. Oui, c'est incroyable. Vous prenez n'importe quel stream de football au Vietnam, vous faites jouer le Vietnam, ça monte à des scores qui sont incroyables. Ah, le jour où on a ça, on est bien. Ah oui, bah, donc, je me fais on demande 1% même. Le All-Star Game Cali contre Vietnam, moins de 23 ans, il n'y a jamais eu autant de monde devant un match de Cali. C'était impressionnant. Faites un tour sur YouTube, hein, sur les chaînes, les canaux qui diffusent les matchs des sélections vietnamiennes, et quelle que soit la catégorie d'âge. Hein, on insiste bien là-dessus. C'est une folie pure. Donc voilà, on parlera bientôt de la Thaïlande avec Jonathan. Et d'ailleurs, on peut voir que le Covid fait beaucoup de dégâts au Vietnam sur la photo. Exactement, ils sont tous bien en geste barrière avec les masques et tout ce qu'il faut. C'est peut-être un pays d'Asie qui y échappe, que veux-tu? Peut-être. Voilà, bon bah écoute, c'est là-dessus qu'on va boucler justement cette partie news. On va en rester là sur les news de la semaine, et on a fait un peu d'Afrique, on a fait un tout petit peu d'Amérique du Sud, on a fait une belle page asiatique, et ben on va retourner en Amérique du Sud. Et là, préparez-vous, parce que si vous ne connaissez pas, ça va vous faire tout bizarre. Ce dont on va parler, on va en parler dans un instant avec Romain. On va passer au dossier de la semaine. Un dossier de la semaine, Romain, qui va nous amener... Déjà, bonjour Romain, parce que c'est vrai que je t'ai pas dit. Salut, ouais. Bonsoir à tous. Ouais, tu m'as oublié là, t'es resté en Asie. Bah, en fait c'est ça, c'est que j'ai pas commencé l'émission en saluant chacun individuellement, et voilà, une fois que c'est comme ça, bah voilà, c'est pas bien. Et meilleur en premier, excuse-moi Romain. Ah. Non, en dernier. Après, il y a deux écoles, hein. soit les meilleurs en premier, soit on termine par le meilleur. Vous choisissez votre camp, les gars. Moi, je me mouille pas, hein. Voilà. Hein. Bon, bref, on va aller avec toi au Pérou, on va aller à Lima pour évoquer, je pense qu'on peut dire une folie furieuse, hein, tout simplement. Le Mundialito El Porvenir. Justement, on va essayer d'expliquer à tout le monde ce que c'est que cette folie pure. Romain, on va commencer par le commencement, hein, c'est mieux généralement de commencer comme ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de ce qu'est ce tournoi, parce que c'est un tournoi? Oui, donc en résumé, c'est un tournoi de foot de rue. Enfin, plutôt c'est du futsal en fait. C'est pas un vrai tournoi de foot à 11. Et en fait, c'est un tournoi. Il y a un chien sur la photo là. Hein. Oui, il y a un chien sur la. Bah, t'es au Pérou, mec. T'es en Amérique du Sud. S'il n'y a pas de chien sur les photos, ça marche pas. Hein. Exactement. On continue. Il y a un chien sur la photo et on joue avec un ballon de plage. Ok, d'accord. Je pense qu'on peut pas faire plus péruvien que cette photo quoi. C'est clair. Elle est incroyable. Elle est géniale pour ça. C'est ça. Donc ouais, bah voilà, la photo, ça résume bien aussi l'ambiance. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est un tournoi qui est disputé chaque 1er mai depuis 1950. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose d'assez ancien. Hein. On parle de plus de 70 ans d'histoire. C'est même plus vieux que certains clubs. Donc, il faut savoir qu'aussi à l'époque, le foot de rue était tout simplement interdit par le gouvernement. Donc, à l'époque, c'était le général Manuel Odria. Donc en général, justement, quand c'est l'armée qui dirige, c'est jamais trop bon pour les populations en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est tout simplement interdit. Et ce tournoi, ça permettait aussi un peu de contourner cette interdiction, d'essayer forcément d'être contre le gouvernement, etc. Et à force de le disputer, petit à petit, heureusement qu'il y a eu des présidents qui ont changé, etc. Mais à partir de 1960, le tournoi a commencé à être reconnu par la municipalité de Lima. Donc la ville a reconnu officiellement ce tournoi, a accepté, a autorisé son organisation. Et du coup, c'est après vraiment des années plus tard, donc en 1976, il y a eu une association qui s'est créée, donc l'association culturelle et sportive du Porvenir. En fait, le Porvenir, c'est un quartier de Lima. En fait, c'est quelques rues dans le district de la Victoria, donc c'est un district assez populaire, qui est aussi connu pour être le district du club Alianza Lima, donc un des clubs les plus populaires du pays. Donc, ce qui fait aussi l'engouement, parce que c'est vraiment les classes populaires qui se tournent vers ce tournoi et qui disputent ce tournoi. Donc, voilà, en gros, pour résumer l'historique de ce petit tournoi sympa, quoi. Ouais, justement, tu dis ce petit tournoi sympa. On voit bien qu'au début, c'est un petit peu un moyen de jouer au foot en bravant les interdictions. Ça devient un petit peu... Je ne vais pas dire institutionnalisé parce que ce n'est pas le cas non plus, mais bon, ça devient accepté, encadré un petit peu. On le voit aujourd'hui, on va en revenir là-dessus dans un instant. Tu parles de l'association culturelle. Le culturel, c'est le bon mot parce que c'est clairement devenu un phénomène culturel, ce tournoi, en fait, concrètement. On voit des reportages là-dessus. Allez sur YouTube, vous allez voir des tonnes de vidéos sur le Mundialito El Porvenir. C'est un truc de fou. À quoi c'est dû, justement, que ce tournoi-là, qui est, tu l'as dit, dans un quartier très populaire, à quoi est-ce dû qu'il soit devenu un tel phénomène culturel ? Au début, c'est vraiment représenter cette culture de football de rue qui est très très présente en fait au Pérou. Déjà à la base, en fait, quand les jeunes jouent entre eux dans les rues, jouent au football, il faut payer souvent pour avoir des petits terrains un peu du style les city stades qu'on a en France. Là-bas, il y en a pas mal quand même, c'est assez développé, mais c'est payant parce que pour le coup, c'est quand même assez bien entretenu, etc. Donc voilà, enfin les joueurs mettent chacun un peu d'argent, etc. Et ensuite, il y a des paris, il y a même parfois, il y a même des transferts de joueurs entre quartiers parce qu'il y a des joueurs qui sont quand même bons, qui ont un bon petit niveau. Et il y a d'autres équipes qui veulent les récupérer et puis leur payent vraiment un petit salaire. Bon, c'est rien du tout, mais pour attirer le joueur dans l'équipe. Il lui achète une maison dans le quartier. Comment ? Il lui achète une maison dans le quartier. Allez hop, tu viens vivre ici et t'as pas le choix. Ouais, limite, c'est ça, quoi. Ça se pique les meilleurs joueurs entre quartiers. En fait, c'est un peu la culture parce que derrière tout ça, il y a des paris. Parfois, ça peut commencer par une caisse de bière. Hein. Souvent, c'est ça, le gagnant du petit tournoi, il gagne sa caisse de bière, ou ça peut être des plus petits prix. Et en gros, le tournoi du Porvenir. C'est lui qui a commencé à rassembler de plus en plus de monde, à attirer les meilleurs joueurs de la ville, etc. Et ça a perduré dans le temps. Après, on ne sait pas trop comment, mais c'est surtout grâce aussi à l'association culturelle et sportive qui a fait vivre ça au fil de toutes ces années. Et aujourd'hui, c'est clairement, c'est devenu déjà l'âme du quartier. Et c'est la fête du peuple, comme il l'appelle, parce que ça se passe le 1er mai. Donc, en fait, le 1er mai, comme en France, c'est férié. C'est un des rares jours fériés qui est vraiment non travaillé, parce qu'au Pérou, pas travailler, ça n'existe pas trop. En fait, il n'y a pas vraiment de vacances, ce concept-là. Parce qu'un jour, en fait, un jour non travaillé, c'est un jour où on ne reçoit pas d'argent, en fait, au Pérou. Vraiment, le travail égale salaire. Ils sont donc tous auto-entrepreneurs. Non, mais c'est un peu ça. Enfin, justement, pendant le Covid, ils parlaient je crois, 70 à 75% de formalités, de gens qui travaillent, qui n'ont pas sans fiche de paye. Donc, et c'était un réel problème pendant le confinement parce qu'ils n'étaient pas à l'abri. Ils n'avaient pas un salaire qui tombait à la fin du mois, même sans travailler. Ils n'étaient pas du tout protégés. Donc, Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce jour-là, c'est vraiment le jour où personne travaille. Et donc, ils se mettent à jouer au foot, à boire de la bière et puis à manger des ceviches plein la panse toute la journée. Donc, ça fait partie du patrimoine, en fait, au final. Ouais, c'est ça, c'est un élément du patrimoine et de la culture footballistique populaire. C'est un peu le maxi-tournoi, l'équivalent des Potreros argentins, hein, concrètement, cette histoire. C'est un peu un petit peu un football de résistance, hein, dans le sens où, tu le disais, hein, ce football-là, le football de rue, a tendance un petit peu à disparaître. Alors justement, ce tournoi, comment il s'organise concrètement, comment ça fonctionne, le Mundialito? Alors du coup, comme je l'ai dit, c'est une fois par an. Mais avant, il y a pas mal d'équipes qui veulent le disputer. Donc on peut pas en une journée, c'est impossible de faire un méga tournoi non plus. Donc il y a des phases préliminaires plus ou moins officielles, parce que ça reste très très informel encore une fois comme tournoi, même si c'est encadré. C'est un peu à l'arrache, on va dire. Mais en gros, du coup, le 1er mai, donc le 1er mai, c'est vraiment le tournoi avec 8 équipes, avec 16 équipes pour faire les huitièmes de finale. Ensuite, pour revenir aussi au nombre d'équipes qui s'inscrivent chaque année, en 1980, ils avaient calculé qu'il y avait environ 800 équipes qui s'étaient inscrites, pour vous donner une idée, en fait, de l'importance de ce tournoi. Et les équipes, elles viennent de partout, hein, dans Lima. Elles sont pas. Voilà, alors c'est surtout Lima. Voilà, ils viennent pas du tout. Enfin, je pense pas qu'il y ait des équipes de province. Il me semble mais c'est surtout Lima. Oui. Ça vient de plusieurs quartiers de Lima. C'est pas restreint. Oui, non, maintenant, ça vient surtout des quartiers populaires, on va dire quoi. Ouais. Et ces équipes-là, elles existent en dehors. Elles ont. Ou c'est juste une bande de potes? Alors je sais qu'il y a un peu de ça, il y a un peu des groupes de potes, il y a des équipes de futsal, en fait, de championnat de futsal. Il y a aussi des équipes, par exemple, je sais que l'Alliance Lima avait un peu créé son équipe des Porvenir Grenay, ça s'appelait. Mais c'est un peu, il y a quelques clubs un peu qui soutiennent ça, mais ça reste très amateur, donc oui, c'est un peu chacun fait son équipe, quoi. Mais il y a quand même des équipes qui perdurent dans le temps, il y a un palmarès, etc., quoi. Ça semble quand même bien organisé, parce que là, sur la photo, les mecs, ils ont quand même non, mais sérieusement, les mecs, ils ont quand même des maillots, des tenues. Oui, ça c'est. Ouais. C'est pas je mets un chasuble et je vais jouer. D'ailleurs, les maillots Kakamezita direct. Celui en blanc là. Ouais, il est exceptionnel celui-là. Non, il y en a un paquet qui. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que organisé. C'est vrai que c'est quelque part, c'est ça, c'est l'informalité, mais encadré, organisé. C'est vraiment le. Je sais pas comment on puisse l'expliquer que ça. On dirait c'est un bordel organisé, quoi. Voilà, c'est ça. Alors peut-être qu'ils en ont et qu'il y a des entreprises qui les sponsorisent et que ça leur fait de la pub. Oui. Mais c'est limite professionnel, en fait. Ah oui, il y a vraiment des sponsors, mais généralement c'est des sponsors du magasin du coin, etc. Parce qu'il y a tellement on va le voir après, mais du coup il y a tellement de monde qui suivent ça que finalement ça leur fait une petite pub. Alors oui, il n'y a pas Coca-Cola ou Disney ou Netflix qui vont sponsoriser ça, mais quelque part, tant mieux, parce que c'est vrai que, par exemple, j'aurais bien vu Red Bull essayer de sponsoriser ce tournoi pour faire un truc, je sais pas, football Red Bull avec un beau stade, etc., mais je pense que ça aurait vraiment perdu le charme. C'est plus drôle d'avoir, par exemple, comme si en France, on faisait le PMU de Loulou, tu vois, c'est cool. Ça. C'est cool. C'est exactement ça, le primeur du coin qui va sponsoriser la petite équipe, tu vois. Donc, c'est vraiment cet esprit-là. Je vous mets une petite vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble carrément. Ah oui, d'accord. Ok, le public est carrément sur le terrain. On dirait là, du golf. Alors, pour juste placer le contexte de cette vidéo, c'est la fin de la finale. Ah, d'accord. Donc, et en fait, pareil, pour revenir du coup à l'organisation, c'est du coup le tournoi, en fait, il commence. Je crois que le premier match, il est à 7h du matin. Et jusqu'à 15h, 16h, la finale. Et les gens viennent vraiment à partir de 4h, 5h du mat pour avoir les meilleures places, quoi. Et ça veut dire qu'ils vont rester donc toute la journée là. Exactement. Au milieu de ce terrain qui est au milieu de la rue. Je ne sais pas si vous avez écouté les podcasts Planète Hello, notamment les Africains dont on avait parlé avec PM. Ça fait quand même beaucoup penser justement à ces tournois de rue organisés. Il me semble que c'était à Cotonou quand PM en avait parlé. Ça y ressemble beaucoup. Là, on est sur une dimension. Vous avez vu la taille du... Enfin, voilà comment est organisé le terrain. Le monde que cela brasse autour. Je vois des questions, j'ai vu ta question, hein, Nostromo, sur est-ce que ça peut aider les joueurs à signer des contrats pro. On va parler un petit peu de la passerelle avec ça un petit peu après. Bon, on a commencé à le voir. Alors, on a souri avec le chien, hein, qui est au milieu. Voilà, on s'est bien amusé avec tous les jeux de mots possibles. Mais le chien en Amérique du Sud, c'est obligé, quoi. Je veux dire, ça. On peut pas mettre une photo de foot avec un chien, même sur un vrai stade. Il y a des chiens. Exactement, voilà. C'est ça. C'est ça. Parce que bon, là, c'est normal, on va dire, c'est dans la rue, mais même dans un stade, le plus grand stade de la ville, il peut y avoir un chien qui passe sans problème. Et qui peut venir en plein dans le match. Ouais. Et donc, voilà. Donc, tu as expliqué un petit peu comment ça fonctionnait avec cette... En gros, le 1er mai, c'est la phase finale, hein, concrètement, qui se déroule toute la journée. Par rapport aux équipes sur le terrain, la particularité, ça fonctionne comment Enfin, voilà, est-ce que ça... Il y a quelques particularités. Vous avez vu que le terrain n'est pas un vrai terrain de foot, dans le sens dans lequel on l'entend. Le ballon est particulier aussi. J'ai pas mis des images, mais je peux vous assurer que ça se met des boîtes, hein, on joue sur du goudron, hein, et ils se mettent des boîtes. Oui, bah, c'est ça. En fait, ils coupent. C'est une rue, hein, là, le terrain, c'est même pas un terrain de foot, c'est ça pur. C'est vraiment une rue qu'ils ont fermée. Ils ont mis des cages, ils ont mis des chaises autour, les chaises en plastique, là, les chaises de jardin. Et voilà, du coup, ça se joue sur toute la journée, ça rassemble énormément de monde. Et ben en fait, vous voyez les places autour du terrain, ça doit être l'équivalent en fait d'une place en tribune pour un match de première division. C'est le même prix. C'est bon, pour vous dire dans la monnaie locale, c'est 50 soleils, ça doit faire 12-13 euros. Mais pour là-bas, c'est vraiment le même prix qu'un match de première division. Et dans les balcons que vous voyez, c'est quoi ces carrés jaunes là qu'on voit au milieu du terrain? Ah, c'est des pubs. Ah, d'accord. Oui, bah oui, c'est vraiment sponsorisé par les petits restos du coin, quoi. Mais pour donner une idée, la compétition, elle était diffusée en direct. Hein. Il y avait sur YouTube. Exactement. Il y avait plein de vidéos sur YouTube. Vous pouvez toutes les trouver. Vous marquez Mundialito El Porvenir 2022. Vous verrez tout. Vous verrez même les matchs. Il y a les streams des matchs et tout. C'est une folie. Hein. C'est un truc... assez incroyable en termes de d'impact que ça peut avoir. C'est diffusé en direct, c'est suivi. Et je passe au-delà des reportages internationaux qui ont été faits un petit peu là-dessus. Mais c'est un vrai phénomène culturel, on l'a dit tout à l'heure. C'est un tournoi, tu le disais, Romain, on le voit sur la photo, on voit comment c'est fichu. Alors, on le disait, hein, c'est 5 contre 5, c'est ça, et c'est 20 minutes, ouais. Hein, c'est ça. Hein. C'est ça, voilà, c'est 5 contre... Voilà, c'est vraiment comme le futsal, donc c'est 5-5, et tu as deux périodes de 20 minutes. Et ensuite, je crois que pour se départager, alors il n'y a pas de prolongation, pas de tir au but. Il me semble qu'après, ils décident sur le nombre de corners. Et après, ils ont pour limiter justement les rentres dedans, etc. C'est l'équipe la plus fair play qui peut se qualifier, mais ça c'est vraiment pas gagné parce que c'est l'arbitre là-dedans, il fait vraiment il est là juste pour faire la présence, hein, parce que il y a vraiment ils peuvent se mettre vraiment des coups de poing, il n'y aura pas du tout de carton, et tout autour normalement il y a pas mal de policiers aussi avec les boucliers, etc., parce que ça dégénère rapidement. Enfin, je veux pas être le joueur qui va tirer le corner. Ouais, voilà, par exemple. Et les touches aussi, c'est sympa. Alors qu'il y a le cop adverse, je pense que Dimitri Payet, c'est un peu je crois que lui, il fait 5 copes. Des coups dans les jambes, ça doit être terrible. C'est clair, faut pas l'envoyer là-bas, là, il revient plus vivant, quoi. Mais... Bon, et tu parlais des arbitres, tu parlais de l'organisation, de ce joyeux foutoir totalement organisé. Romain, les arbitres sont payés, hein. Ouais, alors les arbitres sont payés, et j'avais vu justement dans un reportage, ça peut être jusqu'à du coup 3500 soles la journée, ça équivaut là-bas à 3 SMIC, quoi, comme si on gagnait, un arbitre serait payé 3 SMIC. Donc c'est plutôt pas mal, quoi, comme mais bon, après c'est très risqué, hein, faut savoir que mais non, après tout est plus cher parce qu'il y a énormément du coup de restauration aussi. Et je crois qu'ils vendent l'équivalent de 80 kilos de poisson pour faire le ceviche, et ils montent les prix forcément. Enfin, la bière, c'est des litres et des litres de bière. Parfois, la bière est même inclue dans les balcons. C'est les gens qui louent leur balcon. Et pareil, ça peut être l'équivalent de... là-bas, c'est 1000, 2000 soleils. Ça doit faire 500, 600 euros la place dans le balcon, quoi. Donc, les gens payent vraiment. Enfin, on l'a vu sur les images, il y a énormément de monde qui paye pour la journée. C'est quand même fou comme montant, parce que le salaire minimum, c'est même pas 1000 soleils. Donc, il y a des gens qui mettent vraiment un salaire pour se mettre là sur les balcons. Donc, c'est quand même quelque chose, quoi. Et c'est une sorte d'héritage du football populaire, mais on voit à quel point aussi c'est devenu une machine économique, hein, pour le quartier, quoi. Oui, pour le quartier, oui, carrément. Mais je crois, il y a même un restaurant qui est très connu à Victoria, c'est Mi Barunto, qui est très, très affilié à l'Alianza Lima. Et ils ont leur équipe aussi. Donc, ils sont sponsorisés, etc. Ils ont leur équipe qui joue tous les ans, quoi. Donc, c'est vraiment l'âme du quartier. Puis il y a une grosse... forcément, ouais, ça brasse beaucoup d'argent, quoi. Beaucoup d'argent. Et pour répondre à Spinoza sur le chien, si le chien il arrête un but, on fait rien. Parce que tu commences pas à va lui dire au chien, va lui dire au chien. Non, mais voilà, et tu dis rien, et tu te plains pas. Et regardez des images et vous allez voir que c'est... Parce que bon, voilà, c'est quand même... j'avais vu passer une phrase de Romain que c'était du football pour les braves, hein, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est le football macho aussi. Faut être solide, hein, pour aller mettre les tenues, hein. De toute façon, ouais, ils sont assez balèzes quand on voit les joueurs. J'ai une question. Est-ce que c'est mixte? Oui, alors c'est pas mixte pendant les matchs, mais ils ont depuis, je crois, 2018 et 2019, il y a eu la compétition féminine aussi. D'accord. Et là, en fait, du coup, 2020-2021, ça n'a pas pu se jouer pour la pandémie. Et là, du coup, 2022, le 1er mai, ça a été le retour après 2 ans d'absence. Ils n'ont pas encore joué le tournoi féminin, mais je ne sais pas si ça va se jouer. Je sais pas. Et alors, une photo avec le chien, moi, oui, mais c'est pour ça que je la laisse. C'est la plus belle. Mais franchement, c'est la plus emblématique de tout. C'est... Voilà, c'est tellement Pérou cette photo. La prochaine couverture du magazine. Allez. On pourrait. Elle n'est pas à nous. Elle n'est pas de nous. Elle n'est pas à nous. Mais sinon, oui, clairement. Et on va en parler justement de à nous. Du chien aller là. Non, pas du chien. D'aller là-bas et tout. Juste avant, Nostromo demandait tout à l'heure si ça peut donner des passerelles pour des contrats pro. Alors, je ne sais pas si on peut parler de passerelles pour des contrats pro, mais il y a quand même des joueurs pro qui y sont passés et qui y vont aussi. Voilà, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Plutôt qu'ils vont. Plutôt... Hein. Ouais, je pense pas qu'il y a vraiment de passerelle, à part peut-être dans le futsal et la sélection péruvienne. C'est vrai que je me suis pas renseigné dessus, mais peut-être qu'il y a des joueurs qui ont gagné ce tournoi et qui ont joué après en sélection ou même football playa. Faut voir, mais par contre, oui, il y a eu des joueurs célèbres qui ont disputé le tournoi. Donc on pense à Hugo Sotil qui a joué au Barça d'ailleurs, Kubias qui est le joueur le plus emblématique du Pérou, on va dire, Waldir Saenz, qui était aussi une idole de l'Alianza Lima, et plus récemment, Christian Cueva, qui est encore en sélection péruvienne. Donc après, c'est des joueurs qui sont très Alianza Lima, hein, si on regarde bien, c'est tous des joueurs qui ont joué pour le club du quartier. Et qui viennent. Donc forcément, qui ont une grosse appartenance à ce quartier, mais il y a des joueurs qui ont... des joueurs professionnels et à un très très bon niveau qui se sont essayés au Mundialito. Et justement, on va l'aborder cette question. La photo n'est pas de nous. Est-ce que vous avez vu, hein, à quoi ça peut ressembler? Vous avez compris un petit peu quel type de football on s'y joue, comment s'organise la journée là-bas? Est-ce que un touriste peut s'amuser à y traîner là-bas, Romain? Je pense que oui. Après, il faut être bien accompagné. Il faut essayer d'aller avec des Péruviens peut-être. Et mais bon, après, il y a du monde et après, faut faire attention, disons. Faut pas mettre des, je sais pas, faut pas sortir son iPhone, sa grosse Rolex. Voilà quoi. Après, si on est sage, on va dire discret. Je pense que ça va. Je pense que même les gens, en voyant des touristes, ça va les faire rire. Ils vont peut-être parler, discuter. Certains, ils vont même essayer de les protéger, peut-être, pour éviter de dégrader l'image du quartier. Après, il ne faut pas trop traîner le soir. En fait, faut pas, voilà. Après la finale, il faut vite rentrer, on va dire. Ouais, ça donne envie. Après, c'est comme souvent dans les quartiers les plus populaires et les plus voilà, c'est pas un quartier de bisounours non plus, hein, faut dire les choses. Et est-ce qu'une équipe étrangère peut se dire allez, on est des grands malades, on va vouloir y participer, on monte notre équipe, on s'y inscrit, ou pas du tout? Je pense que oui. Je pense que oui, honnêtement, je ne sais pas si ça s'est déjà fait, mais c'est vrai que ça serait marrant. En plus, c'est vrai que ça s'appelle Mundialito, ce petit mondial, mais c'est vrai qu'il n'y a que des équipes péruviennes, quoi. Donc, c'est vrai que pourquoi pas, quoi. Ça serait marrant, en tout cas. En tout cas, si vous y allez, moi, je prends. Moi, je prends Palois et je prends Viscarondo. Je te dis, il n'y a pas un Péruvien qui prend. Ouais, tu sais, quand il était en sélection, il y en avait beaucoup qui passaient. Hein. Oui, mais là, on est sur le terrain, tu vas voir. T'inquiète, ça gère. Mais là, il ne faut pas essayer de tacler, hein, sur ce terrain. Mais il y en a, hein, franchement, il y en a qui taclent. On voit des tacles. On voit des tacles. J'ai vu quelques vidéos où on voit du tacle. Hein. Donc bon. Ouais, non, c'est assez fou, quoi. Donc voilà, ça ressemble à ça, le Mundialito El Porvenir. C'est à Lima, c'est tous les 1er mai. Essayez d'aller voir des vidéos le plus possible sur YouTube si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus. Je vous dis, les matchs ont été diffusés. Ils sont donc disponibles en replay sur YouTube. Il n'y a aucun problème, c'est pas difficile à trouver. Et vous allez voir que c'est une folie pure, hein. C'est une vraie folie pure. Et c'est un petit peu, hein, Romain, on peut le dire, c'est un petit peu l'héritage d'un football populaire qui a... Voilà, c'est l'un des derniers héritages d'un football populaire qui est devenu, qui a réussi à passer le cran, à devenir un objet culturel, en fait. C'est ça qui fait sa force, je pense, parce que ça a traversé les époques, depuis 1950, et c'est resté vraiment tel quel. Il n'y a quasiment pas eu de changement, d'évolution, et ça fait partie du folklore maintenant. Donc c'est pour ça aussi que, du coup, qu'il y a eu tout cet engouement, etc. Parce que c'est même, je pense qu'au niveau mondial, c'est un des seuls, quoi, on peut dire. On n'a pas trop d'exemples comme ça. C'est pour ça que même la presse étrangère fait des articles dessus, parce que voilà, c'est assez folklorique et c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément, en tout cas en Occident, quoi. Oui, je vois pas d'équivalent. À part la CAN, c'est ce que j'allais dire. Toute proportion gardée, et c'est un peu l'esprit, en fait, hein, final, la CAN organisée en région parisienne, c'est un peu cet esprit quand même. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire le lien. Ouais. Sans les chiens. D'ailleurs, je crois qu'elle va changer de nom. Elle va plus s'appeler Coupe d'Afrique, je crois. Il me semble avoir vu passer ça il y a quelques jours. Mais c'est un peu cet esprit-là quand même. Et peut-être qu'elle va prendre cet impact culturel-là dans le coin. C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Voilà pour le Mundialito El Porvenir. Donc, on va enchaîner. On était donc au Pérou. Et puis maintenant, on va aller un peu plus au sud pour justement aller suivre l'histoire de ce chien, puisqu'on l'a retrouvé. On va aller un peu plus au sud pour histoire d'alimenter encore le débat donc sur l'origine du pisco. Je pense que je le prononce bien, je sais pas. Okay. En gros, il veut que je parte du chat, quoi. Là, j'ai compris. Alors, si vous pouvez partir, toi et Antoine. Ah là là, ça y est, Baptiste est de retour. Il commence à nous mettre la douille partout dans l'émission. Le dictateur. Incroyable. Là, pour la Coupe du Monde, et puis on en reparle. Baptiste, spécialiste Corée du Nord, hein, vous avez bien compris. Hein. Oui, je crois que c'est ça, en fait. République démocratique. Voilà. Donc, on va enchaîner avec le joueur de la semaine, qui est un joueur chilien. Ouais, et ce joueur, il est chilien, parce que d'habitude, en fait, c'est un peu le truc, c'est un peu le jeu avec Romain, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a Romain, je suis obligé de parler d'un joueur chilien, d'un truc chilien derrière. Je sais pas pourquoi, c'est pas fait exprès, mais je pense que peut-être que si. Équilibrer la force. Ouais, peut-être, tu vois, peut-être. Je vais pas parler de Chilena contre la Chalaca, hein, c'est pas le débat aujourd'hui, mais un jour on le fera, le débat. Tiens. Ouais. Mais voilà, donc oui, on va aller au Chili, on va remonter un petit peu en arrière, on va remonter d'une semaine, en fait. Parce que la semaine dernière au Chili, il y a eu un hommage qui a été rendu à un joueur, à une légende, à une véritable légende du football chilien. Et là, je pense que l'on soit péruvien ou même quelle que soit la nationalité, on connaît Esteban Paredes, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui est revenu la semaine dernière au Monumental, le stade de Colo-Colo, son stade à lui. Vous allez voir pourquoi dans un instant, avec le maillot de Coquimbo Unido. Esteban Paredes a pratiquement mon âge. Ça, c'est pour toi, Baptiste. Il a 41 ans, Esteban Paredes, donc il est en train de jouer ses dernières semaines de football. Non, toujours pas le Kitu Diaz Spinoza, ça viendra, promis. Mais donc voilà, Esteban Paredes a 41 ans, on est sur les dernières semaines, hein, puisqu'il a annoncé que sa fin de carrière était forcément allée arriver. Il a expliqué aussi hein, qu'il jouait sous infiltration, que voilà, le corps commençait un petit peu à lâcher. On comprend un peu vu l'âge. Et donc il y avait aussi des rumeurs par rapport à ce match au Monumental qui aurait peut-être pu être son dernier hein, concrètement, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, un hommage lui a été rendu, vous voyez. Il était de retour à la maison comme il était inscrit sur cette plaque. C'est donc son stade, c'est donc son équipe, hein, le Colo-Colo. Et il a eu un magnifique hommage. Il a même posé avec ses adversaires du soir. Hein, c'est ça, l'âme sud, avant le match. Hein. Il s'est fait découper par celui qui est derrière après. En fait, c'était assez, franchement, c'était assez intéressant. C'était assez émouvant parce qu'il est entré avec certains de ses anciens coéquipiers, parce que je vais l'expliquer dans un instant, mais il a quitté Colo-Colo il y a moins de 2 ans, donc il connaît beaucoup des joueurs qui sont là. Le joueur qui était dans ses bras et qui a le brassard de capitaine au centre sur la photo, Gabriel Soiseau, a un brassard qui était le même que celui que portait Esteban Paredes quand Esteban Paredes était avec le Colo-Colo. C'était lui le capitaine. Donc il a été son capitaine. Et on l'a vu avant le match remonter dans le tunnel et le club avait mis des photos de tous les exploits d'Esteban Paredes et on voyait lui avec d'autres joueurs contre qui il allait jouer ce soir-là qui étaient en train de commenter les photos. Ah, tu te rappelles de ce but et tout. Donc franchement, c'était vachement sympa, assez émouvant. Il a joué hein, cette rencontre. Bon, ça s'est bien passé aussi pour Colo-Colo parce qu'ils ont gagné 4-0. Hein, donc ça aide. Mais le fait est que 3 buts contre son camp. Non, il a eu 2 occasions. Il a eu 2 occasions. Il aurait pu marquer, ça aurait été une histoire magnifique parce que voilà, Esteban Paredes, il faut aussi connaître un petit peu le personnage. C'est un garçon qui a fait ses débuts, du côté de Santiago Morning à l'âge de 20 ans. C'est pas si jeune hein, pour un Sud-Américain. On était en 2000. Il a fait ses débuts pro véritablement quand il avait 20 ans. Et d'ailleurs, son début de carrière est assez spécial parce que pendant plusieurs années, il est prêté un petit peu en D2 chilienne. Il passe par la U de Concepción où il se montre un peu en Libertadores. Il marque un but contre une équipe mexicaine. Donc, les Mexicains sont intéressés par lui. Il se retrouve à jouer en 3e division mexicaine quand même. Donc, le gars du côté de Pachuca Juniors, voilà. Il est champion de 3e division. Il revient dans son club de Santiago Morning. Il est champion de D2 en étant meilleur buteur à ce moment-là. Et là, il est à nouveau prêté, pareil, dans des clubs chiliens, Cobreloa notamment. Il fait des allers-retours, il ne se pose pas véritablement. Et en fait, tout change quand il arrive justement à Colo-Colo. Il arrive à Colo-Colo en 2009. Et tout change parce que, je le disais, son début de carrière, c'était des prêts à gauche, à droite, etc. Colo-Colo, il s'y pose et il va y passer 12 saisons. Voilà. Donc au moins comme ça, c'est réglé. Elles vont juste être entrecoupées de 2 petites piges au Mexique. Une du côté de l'Atlante, le temps d'un Apertura en 2012, dont il finit meilleur buteur d'ailleurs, alors que l'Atlante, franchement, est 14e, je crois, sur 18. Ouais, 14e sur 18. Il est meilleur buteur du tournoi avec Chucho Benitez, le regretté Chucho Benitez, ça parlera aux Équatoriens et aux amoureux de football mexicain aussi. Il refait une autre pige quand il y va au Mexique avec Querétaro, mais bref, il arrive à Colo-Colo, lui, en 2009. Il arrive pour remplacer Lucas Barrios, ça doit vous parler à tous. Lucas Barrios, parce que si vous ne le connaissez pas ailleurs en Europe, il a quand même joué un petit peu en France, un petit peu. Mais Lucas Barrios sortait de saison absolument folle, d'une saison et demie absolument folle avec Colo-Colo. Il avait marqué 49 buts en 53 matchs. Hein, donc, je vous laisse imaginer l'impact qu'il avait eu sur le Colo-Colo. Et Paredes arrive à Colo-Colo, il a 28 ans. Donc, il est quasiment... Enfin, tu vois, il est... je ne vais pas dire en fin de carrière, mais il est au pic de sa forme. Il n'arrive pas comme une jeune promesse, concrètement. Et il n'a pas franchement montré plus que ça avant. Et pourtant, il contribue à ce que le club remporte le tournoi de clôture en 2009. Donc, dès qu'il arrive, il marque 9 buts au cours de ce tournoi. Et en fait, il va être très, très vite complètement identifié avec ce club. Il va s'identifier avec ce club. Il s'identifie tellement qu'il va faire des sacrifices incroyables quand il revient... Quand il revient au club après son passage au Mexique, le club n'a pas l'argent pour le faire revenir et Paredes paye 10% de son transfert lui-même et baisse son salaire. Donc voilà, et là il est identifié, et quand il arrive, vous le voyez sur la photo, il a le 7, mais quand il revient à Colo-Colo en 2014 après sa pige mexicaine, donc Il décide de porter le numéro 30. Alors pourquoi le 30? Il le dit clairement le jour où il arrive. Donc je rappelle, il a payé 10% de son transfert, il a baissé son salaire, il prend le 30. Le club n'a plus rien gagné depuis 2009 et lui, il arrive en disant « Je prends le 30 parce que ça sera la 30e étoile du club. » Le 30e titre, donc. Bah, vous imaginez ce qui se passe. 30e étoile, bah voilà. Hein, il la remporte et puis il va... Ses performances vont aider Colo Colo à regagner plusieurs titres. Il va gagner plusieurs titres avec Colo Colo. Et il va y avoir surtout un match qui va entrer dans sa légende à lui. C'est ce match d'octobre 2019, le Super Classico qu'il joue avec son club, face à la OU, donc l'ennemi absolu. Vous voyez cette scène de joie, elle est particulière parce que ce jour-là, il marque son 216e but en championnat du Chili. Et ce jour-là, il devient tout simplement... le meilleur buteur de l'histoire du championnat chilien. Il détrône une autre légende de Colo-Colo, Chamaco Valdés, qui était une vraie icône du club. Et ce jour-là, donc Esteban Paredes entre dans l'histoire non seulement de Colo-Colo, mais de tout le football chilien. Alors pour vous donner quand même quelques titres, je le disais, il arrive à la fin de sa carrière. On était à 216 buts, c'est octobre 2019. Il a un peu moins joué depuis, après il y a eu la Covid et tout en 2020, mais voilà, il est à Coquimbo Unido depuis 2021. Il a été champion de deuxième division avec Coquimbo Unido. Il est à 221 maintenant en championnat, donc il a continué d'améliorer la marque. On parle d'un garçon qui a été 6 fois meilleur buteur du championnat chilien. Personne d'autre n'a fait ça dans l'histoire du football local. Donc voilà, c'est une vraie légende du football chilien. Et par rapport à la sélection, parce qu'on pourrait se dire, bah, ce garçon-là... forcément, les gens qui suivent le football chilien le connaissent bien. Ceux qui ne suivent pas forcément le football chilien le connaissent peut-être un peu moins. En sélection, pourtant, il a été lancé en sélection par Marcelo Bielsa, rien que ça. Donc voilà, il a fait la Coupe du Monde 2010. Et puis après, ça a été un peu plus compliqué. Son histoire après Bielsa, ça a été plus compliqué. Il y a eu Claudio Borghi avec qui il a un peu moins joué. Sampa, ça s'est moins bien fait aussi. Mais vous savez à quel point Sampaoli n'est pas forcément un grand fan des vrais numéros 9 parce que Esteban Paredes, c'est un pur 9. Voilà, la bise à Milik. Et donc, voilà. Et il va aussi subir l'éclosion du duo Sanchez-Vargas. Hein. Donc voilà, forcément. Mais au final, quand même, 42 sélections, 12 buts. Une dernière apparition en novembre 2018 pour un match amical. Reinaldo Rueda l'a appelé pour qu'il puisse avoir un hommage rendu par le stade avec le maillot de la sélection. Donc ça donne aussi une idée hein, de l'importance que ce garçon a pris dans l'histoire du football chilien, dans l'histoire locale. Je le disais, il a 41 ans, il vit ses dernières semaines, ses derniers mois dans l'élite. Et c'est aussi pour cela... qu'il fallait absolument rendre hommage à Esteban Paredes. Je vous invite aussi à aller voir pas mal de vidéos de ses buts parce que vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites pépites. Voilà pour Esteban Paredes. Il a quand même une fin de carrière qui fait un peu penser, ou une carrière en sélection qui fait un peu penser à celle de Lee Dong-kook, qui a fini aussi à 41 ans, avec les mêmes stats à peu près, hein, meilleur buteur de Corée du Sud, etc. Mais qui avec la sélection n'ont jamais eu... alors que c'est des gars qui, localement, sont sans doute les meilleurs attaquants qu'ont connu le pays, mais qui, en sélection, il y a eu comme une espèce d'occasion manquée ou de rendez-vous manqué avec la sélection. Ah, c'est vrai que le parallèle est pertinent, ouais. Exactement. Donc, bah voilà, on a fait notre petite aventure au Chili. On va quitter, alors pas très longtemps, le continent sud-américain, malheureusement. Et puis, bah, on va en retrouver un autre qui n'est pas mieux, puisque c'est l'Océanie. Ah, c'est l'Océanie, c'est pas... Non, on va retourner en Asie. On va faire une petite partie de ping-pong avec les Asiatiques. Et on va retourner en Australie pour passer au maillot de la semaine. Pardon. Oui, donc du coup... Alors attends, parce que je t'ai pas lancé. Tu parles pendant le jingle, toi. Pardon. Bravo Antoine. Oh, il a défoncé mon lancement. Il m'a détruit le jingle. Merci Antoine, bien joué. Bon, eh ben on va pleurer une petite... Je peux faire une petite chanson. Hein. Ah ouais, alors la prochaine fois... Alors attends, tu sais quoi ? Ouais, la prochaine fois, tu chantes le jingle de l'émission. Voilà, la prochaine fois, tu le chantes. Alors justement... Bah, tu voulais parler, Antoine, je le mets à l'image. On va parler du maillot de la semaine. Le maillot, c'est le maillot du Brisbane Roar. Alors, juste avant que tu commences, est-ce que c'est le maillot qui a fait sensation en Asian Champions League avec du scotch dans le dos? Non, Baptiste. C'est pas celui-là, ok. Non. On ne commence pas. Non, je me demandais, il me semblait que c'était pas celui de Edbuick. Non, c'était celui de Eric Baoteak. Baoteak. Ah non, c'était Baoteak, exact. Et donc, voilà. Il était avec Brisbane Roar. Oui, oui, exactement. Oui. Non, mais c'était pas, celui-là. Non. Mais... Et c'est la même équipe. C'est la même équipe, oui, mais voilà, c'est pas celui-là. Il n'est pas à cette saison-là. Ok. Voilà. C'est bon, Baptiste, je te coupe plus. Tu peux y aller, Antoine. Vas-y, parle-nous de ce maillot du Brisbane Roar qui est assez particulier quand même. Oui, alors, pour replacer, donc voilà, c'est le côté... on a toujours dit, les clubs en Australie, c'est pas comme les clubs, par exemple, les derniers maillots qu'on a présentés du Mexique qui existent depuis plus d'une centaine d'années. Il y a quand même des clubs en Australie qui veulent, on va dire, un certain héritage et qui sont fiers de le porter. Et quand on regarde ce maillot du Brisbane Roar, donc le rugissement de Brisbane, depuis quelques années, en fait, et surtout cette année, ils portent fièrement donc leur héritage. Donc, si je vous dis un lion et de l'orange, vous me dites forcément, bravo Baptiste, les Pays-Bas. Et donc, sur l'image, je ne sais pas quelle image tu montes, Nico. Ah bah, je peux montrer le logo en gros plan, si tu veux. Voilà, déjà le logo. Le lion, et, voilà. Voilà, le lion. Et ce qu'ils ont fait, c'est que... ils ont écrit clairement d'où ils venaient, parce que si on fait un petit retour en arrière, d'ailleurs c'était dans le 11e magazine de Lucarne Opposée, on expliquait que la Ligue australienne a toujours voulu des clubs qui soient le placement de produits. Ah, t'as vu ça? Non mais oui, ouais, mais bon. Dans le sens où ils voulaient que les clubs soient accessibles à tous, qu'il n'y ait pas de connotation d'origine d'un tel pays ou d'un autre, pour que tout le monde puisse être supporter de ce club, peu importe d'où on venait. Ce qu'il faut rappeler, Antoine, c'est et c'est justement indiqué dans l'article qui est dans ce magazine, dans ce 11e numéro. Je vous mettrai les liens comme il faut dans la description si vous écoutez actuellement en replay. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le football en Australie, c'est construit par les vagues migratoires, et donc a été ce que l'on a appelé là-bas au début un football ethnique. Donc il y avait, c'est les mots que je vais utiliser, mais qui ont changé. Il y avait les Yougoslaves, il y avait les Italiens, il y avait les Hollandais, etc., etc. Et donc il y a eu un moment où, quand il y a eu la réforme du football en Australie, pour faire court, on a demandé à ce que tous les éléments d'identification ou de ethnique disparaissent des clubs. Et donc les clubs n'ont plus le droit de porter des noms à connotation de leur origine. Voilà, ça c'est pour faire un peu court. Mais beaucoup de ces clubs-là sont des héritiers de ces clubs ethniques, et donc tu vas l'expliquer, Antoine, notamment Brisbane. Voilà, c'est ça. Et dans le maillot, ce qu'ils ont écrit, c'est la phrase que je vais vous lire. « Depuis ses modestes débuts, le Brisbane Roar a été créé en 1957 par un groupe d'émigrants néerlandais à Richlands, fondé sous le nom de Hollandia Inala. Le club est devenu les Queensland Lions avant de devenir le Brisbane Roar à partir de 2005. » Fin de citation. Et c'est ça, c'est qu'en fait, ils ont voulu donc reprendre cet héritage pour, on va dire, appuyer le côté on n'a pas été créé à partir de 2005, comme d'autres clubs l'ont été lors de la professionnalisation de la Ligue. Et c'est ce qui fait, en fait, qui donne à ce maillot ce côté qui pèse un peu plus que les autres. Par exemple, si je prends... tu vas pas me contredire, Nicolas, mais le Sydney FC qui est l'un des plus gros clubs australiens en termes de capital, pas sympathie, mais de capital économique, de titre, il a été créé, alors que le Brisbane Roar peut se dire, nous on existe depuis bien longtemps, notre maillot d'aujourd'hui pèse une histoire, et il pèse davantage parce que Brisbane, c'est trois titres majeurs donc, de Championship, et c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire... Alors, je vais faire un très gros parallèle entre le FC Barcelone et Johan Cruyff, et... enfin Nicolas ne me contredira pas, mais... on va parler du Roar Barcelona là. Voilà, on va parler d'une époque où le Brisbane Roar a complètement modifié l'image du championnat, et ce maillot en est la personnalisation. Personnalisation. Ouais. personnification, dans le sens où c'était l'apogée de la montée en puissance de Ange Postecoglou, qui est le nouvel l'entraîneur actuel du Celtic Football Club, qui est arrivé en imposant un style de jeu basé sur la possession, et il a tout écrasé, et il a même le record, tous sports confondus, de 36 matchs sans défaite. Il a gagné ces titres-là, ils en ont gagné un autre en 2014, mais ça fait partie de ce côté un peu légendaire de ce maillot orange avec le lion, parce que ça a été le même style de jeu, ils ont réussi à trouver la bonne personne qui a amené, on va dire, ce que Johan Cruyff a propagé au Barça, et c'est pour ça que j'avais choisi donc ce maillot pour en parler. Alors aujourd'hui, c'est plus trop ça. Ils n'ont pas gardé, cet esprit, par exemple, de football de possession, d'attaque. Ils ont beaucoup perdu en fait quand Postecoglou est parti. Ils n'ont pas continué là-dessus. Il y a eu des soucis économiques, des ci, de ça. Bref, mais voilà, ils pèsent toujours cette étoile avec les 3 titres et cette histoire qu'ils veulent promouvoir. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que la nouvelle gouvernance en Australie a dit depuis plusieurs années que chaque club peut être celui qu'il veut être et n'a plus besoin d'être aseptisé. Et donc dans la ligue professionnelle, les clubs n'ont pas changé, mais dans les divisions régionales, même la 2e division, qui n'a aucun lien avec la première, comme le même système aux États-Unis, il y a beaucoup de clubs qui se sont dit on va revenir ce qu'on était. Il y en a qui ont repris leur ancien logo, par exemple, comme tu disais, les Italiens. Il y a des clubs qui se sont réappelés la Juventus d'Adélaïde, par exemple. Enfin, c'est un titre fictif que je prends. Mais par exemple, je sais que le club de City, qui a été créé par les Turcs, a remis le croissant de lune dans son emblème. Et donc voilà, c'était pour ça que j'avais envie de parler de ce maillot qui est un bel icône du football australien. Ouais, non, mais tu as raison. Et c'est important d'insister justement sur le fait, parce qu'on fait souvent le parallèle avec le modèle MLS qui sert de modèle à l'Australie. D'ailleurs, la MLS aussi n'oublie pas l'histoire de ses clubs quand elle maintenant décide de ses franchises. Et c'est important de voir aussi que ce passé, cet héritage maintenant est enfin reconnu à une époque. Tu le parlais tout à l'heure d'aseptisation du football australien, qui a été ce qui a été recherché pendant les premières années de la A-League avec ses franchises, et où on cherchait plus des marchés que jouer sur une histoire. Là, on revient sur cet aspect historique, et c'est vrai que c'est vrai que Brisbane maintenant c'est plus le PSV Eindhoven plutôt que l'Ajax, hein, donc. Les deux pieds décollés du sol. Ah mais voilà, mais alors si vous ne saviez pas que je déteste particulièrement le PSV Eindhoven, maintenant vous le savez. Oh là là. Je m'adresse à tous les amoureux de foot néerlandais. Voilà, le Brisbane de Postecoglou, c'était l'Ajax. Bref, oui, Nostromo, c'était vraiment quelque chose, hein. Le Barcelona, ça a changé des choses, Antoine l'a expliqué. Ça a vraiment changé quelque chose. Ça a changé, oui, même au-delà du sport australien. Enfin, il a le record. Enfin, déjà, le football à cette époque-là, on pesait un petit peu, mais le record de 36 victoires dans le sport australien, c'est lui qui a. Exactement. C'est lui qui a et il l'a imprégné après avec la sélection, puisqu'il a eu la sélection. Et la dernière sélection australienne qui jouait vraiment bien, c'est celle de Postecoglou, il faut le dire aussi. Il y avait des résultats, mais ça jouait aussi bien. Oui. C'est un peu ce à quoi court maintenant l'Australie, mais bon, ça correspond aussi à une époque. Mais voilà, c'était important d'insister donc sur cet héritage-là que maintenant les clubs peuvent à nouveau porter, et c'est important que justement Brisbane, avec son équipementier, appuie un petit peu sur cet héritage-là. C'était pour cela que c'était intéressant, en effet, Antoine, de parler de ce fameux maillot orange. Et bien merci. On va pouvoir enchaîner, on va pouvoir passer... à l'avant-dernière rubrique de cette émission. Vous la connaissez tous, cette avant-dernière rubrique. Vous l'attendez tous, je sais, avec impatience. Un peu moins moi, parce que je me fais à chaque fois boycotter. Je tiens à je sais. Il était prévu. Alors, on ne va pas spoiler encore, mais bon, il était prévu qu'il y ait du Sud-Coréen, et le Sud-Coréen a sauté au dernier moment. Vous allez voir ça dans un instant. On veut évidemment parler des GolazoLO avant justement de regarder la sélection de la semaine. On va regarder le résultat du vote de la semaine passée. Là, il n'y a pas eu photo. Autant la semaine d'avant, ça s'est joué à très peu de voix. Autant là, la volée d'Anselmo Ramon n'a laissé aucune place à la discussion. Faut dire qu'elle est plutôt sympathique, sa volée du droit. Donc je vous laisse les quelques ralentis pour que vous en profitiez un petit peu, tout en décontraction. Ouais, c'est ça, 42% des voix, c'est un vrai plébiscite pour le coup. Donc Anselmo Ramon, le troisième donc élu pour ce GolazoLO. Il va nous en manquer un pour finir le mois de mai. Eh ben, il ne sera pas coréen, je suis désolé Baptiste, mais voici la sélection de la semaine. C'est donc ce dernier but, celui de Francisco Chico Da Costa, qui a fait disparaître le sélectionné sud-coréen au grand désarroi de Baptiste. Vous connaissez la procédure, vous allez avoir une semaine. À partir de la fin de cette émission, je vais lancer les votes à la fin de cette émission. Vous allez avoir une semaine pour élire votre GolazoLO de la semaine, qui sera le 4e du mois de mai, qui sera donc le dernier. Et on s'occupera bien plus tard, vous allez voir, on va en parler dans un instant, d'élire le GolazoLO du mois de mai. Oui, et donc je vous invite à ne pas voter en protestation. Pour une fois qu'il y avait une vidéo d'un but en Kelly qui était sur Twitter, voilà. Et donc bon, on a fait les news, on a fait le dossier, on a fait le joueur de la semaine, on a fait le maillot, on a fait les golazos. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour conclure? Les rendez-vous de la semaine. Rendez-vous de la semaine en Amérique du Sud. Ouais, le premier but est génial, Nostromo, je suis d'accord. Les rendez-vous de la semaine, on va démarrer en Amérique du Sud. Dernière semaine de Libertadores, de la phase de groupe de la Libertadores et de la Sudamericana. Donc c'est là où tout va se jouer. Il reste 9 places à distribuer en Libertadores. Il en reste 7 en Sudamericana. Tout va donc se jouer cette semaine. La seule question qu'on va se poser en Sudamericana, c'est de savoir si on aura autre chose qu'un Brésilien ou un Argentin qui va se qualifier pour la phase suivante. Espérons pour que quand même il y a autre chose. On n'y croit pas trop, mais bon, bref. Et sinon, au niveau des affiches, notamment en Libertadores, évidemment, le Boca Deportivo Cali s'annonce absolument bouillant. Tout comme le Super Classico paraguayen qui va définir lequel des deux va se qualifier pour le tour suivant de la Libertadores. Super Classico paraguayen entre Cerro Porteño et Olimpia, dont vous avez vu une image dans les GolazoLO, puisque le deuxième de la sélection de Luis Farinha a été inscrit ce week-end dans le Super Classico du week-end du championnat. Super Classico que le Cerro a remporté 4-0. Donc la revanche s'annonce un tout petit peu électrique. Sinon, Baptiste, de ton côté, est-ce que tu nous as quelques rendez-vous asiatiques? Alors, on en parlait en début d'émission. Il y a la finale de la A-League, si je ne me trompe pas, qui sera à suivre cette semaine. Samedi. Alors, voilà, c'est samedi. Alors, je ne suis pas du tout la A-League. Je sais qu'il y a la finale cette semaine, mais je ne sais absolument pas entre qui. Western United contre Melbourne City. Voilà. Donc, 2 clubs qui iront ensuite se faire éliminer en Asie. Mais possibilité, je te coupe 2 secondes, possibilité pour Melbourne City de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire le doubler 2 fois consécutivement. Ils ont gagné la phase régulière, ils peuvent gagner la finale là. Et l'année dernière, ils ont gagné la phase régulière et les playoffs. Donc là, ils peuvent faire la même chose cette année. Donc c'est important pour ça. Et Western United est une franchise qui n'a que 3 ans et qui a déjà fait une demi-finale et qui se retrouve maintenant en finale. Voilà, on fera la bise à Figo, qui est un habitué de LO, qui est supporter de Western United. Et c'est à quelle heure, pour info? Je crois que c'est 11h. Laisse-moi vérifier, je te laisse continuer et je vérifie. Non, parce que c'est très important pour l'autre match qui va suivre, parce que ça risque de lui faire de l'ombre, et beaucoup d'ombre, parce qu'on a un match samedi à midi. 11h45. Ah, c'est ballot, il ne faudra pas regarder la finale de la A-League, parce qu'à midi, nous avons une très belle rencontre, enfin très belle, je ne pense pas, je pense qu'on va assez s'ennuyer, mais c'est un gros match entre Jeonbuk et Jeju, donc le 2e face au 3e. D'un côté, le grand Jeonbuk que l'on connaît, qui va toujours trouver un moyen pour s'imposer, même sans bien jouer. Ça commence à devenir un peu une rengaine qui agace, si vous l'avez lu dans le Shugan aujourd'hui, qui commence à agacer du côté des supporters. À la fin du match, il faut aller voir les supporters pour les rassurer, parce que ça commence un peu à grincer des dents. Ça commence à ressembler à Ulsan d'il y a quelques années. Hein. Oh, tout à fait, exactement, mais pas avec les mêmes joueurs. C'est bien là le problème. Oui. Mais ça commence à ressembler un petit peu à Ulsan d'il y a quelques années. Et en face, on aura donc Jeju, qui est aujourd'hui 3e et qui est vraiment en train de s'imposer un peu comme la 3e grosse force de K-League, et avec Nam Ki-il, que je ne me trompe pas, que je ne confonde pas, oui c'est bien Nam Ki-il, l'entraîneur qui lui propose, et c'est sa marque de fabrique, un jeu très pragmatique mais très efficace. Donc on aura une opposition qui risque pas d'enchanter dans le jeu, mais qui promet d'avoir des étincelles entre le 2e et le 3e. Donc samedi à midi, qui ne sera pas commenté par moi-même, puisqu'il y a un petit week-end qui se prépare. Oui, il n'y aura pas de possibilité de live ce week-end sur LO, ni pour l'un ni pour l'autre, donc voilà, parce que vous le savez, on en a parlé la dernière fois, une partie de la team LO, dont votre serviteur, va se déplacer ce samedi pour se rendre dans le sud de la France pour le tournoi Maurice Révélo, qu'on va suivre depuis les tribunes là-bas. LO est partenaire du tournoi, donc on va le suivre, on va remettre un prix aux meilleurs joueurs. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'émission la semaine d'après non plus. En fait, les 3 prochaines semaines, je crois qu'il n'y aura pas d'émission, puisque je reviens le 13. Donc voilà, les 3 prochaines semaines, il n'y aura pas de 9-10, vous allez être orphelin des 9-10 pendant 3 semaines. C'est dommage, on ne pourra pas parler de la victoire de la Corée sur le Brésil. On va se le garder, on en parlera après. Donc voilà. D'autres rendez-vous, ou on a fait à peu près le tour de ton côté? Non, j'ai regardé un petit peu ce qu'il pouvait y avoir en Asie. Voilà. Après, ce sont des matchs, on va dire, entre guillemets, classiques. Il n'y a pas de gros enjeux. Après, on va faire de toute façon une pause pour les sélections. On va commencer à se préparer pour la Coupe du Monde. Donc, quand on reviendra, on pourra parler peut-être des petits enseignements qu'on aura eu pour la Coupe du Monde de ce côté-là. Exactement, et bien voilà, vous avez à peu près le programme de votre week-end, quelques rendez-vous quand même assez importants, mais effectivement on va commencer à faire la pause pour la fenêtre internationale. Voilà, on va arriver tranquillement au bout de cette émission, on va vous remercier d'avoir été présent dans le chat. On va vous remercier de nous écouter, toujours plus nombreux sur les différentes plateformes de réécoute, que ce soit des plateformes de podcast ou que ce soit sur la chaîne YouTube de Lucarne Opposée. N'hésitez pas à vous abonner à toutes ces plateformes-là, à nous suivre sur ces plateformes-là. Vous pouvez aussi vous abonner, notamment sur Twitch. Vous voyez, il y a un petit compteur en bas. Si on arrive jusqu'au bout, on fera des petits tirages au sort pour vous faire gagner des trucs de Lucarne Opposée, notamment les livres. Allez, je vais vous les montrer. Comme d'habitude, on va faire la placement de produits. Il paraît que ça sert à ça, Twitch. Le Garincha de Marcelin, je vais vous montrer le 2e de Marcelin, Primera Bola, les 2 livres de Marcelin Chamoin. Si vous aimez les livres, vous avez Bielsa aussi. J'en ai parlé tout à l'heure de Marcelo Bielsa, avec le coup dans le micro qui va bien au même moment. Et puis sinon, si vous voulez, vous avez le magazine, le 18 est toujours en vente, toujours disponible. Le 19 arrivera fin juin normalement. Si la personne qui est en train de vous parler arrive à accélérer un petit peu sur les relectures. Mais bon, mais voilà. On dépêche. on va essayer. C'est un peu chargé l'emploi du temps, mais on va y arriver. Et si on atteint les 75, je promets d'écrire l'histoire du football sud-coréen qui va tenir sur un post-it. Très bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs, dames. Il va falloir aller à fond sur les subs, hein, si vous voulez l'histoire du football sud-coréen par Baptiste. Voilà. Bref, on va en rester là. On va vous remercier donc d'être toujours avec nous les lundis soirs et sur les différentes plateformes. On va vous donner rendez-vous, alors non pas la semaine prochaine, mais un lundi dans presque un mois maintenant, pour un prochain rendez-vous avec le 9-10. D'ici là, continuez de suivre du foot parce qu'il y en a partout sur la planète Lucarne Opposée. Continuez donc et vous pourrez les suivre notamment sur le site. Passez une bonne semaine et rendez-vous pour le prochain 9-10 dans un bon mois. À bientôt les amis. À bientôt tout le monde.